comme vous, bah, ça fait une semaine maintenant qu'on est tous confinés chez nous, à pas pouvoir faire ce qu'on veut. Et au final, je viendrai à dire que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que on va voir au fond de nous tout ce qu'on a, toutes ces peurs. Alors, moi, je suis comme tout le monde, hein. J'ai aussi des sentiments qui me traversent, qui me dérangent, qui me gênent, c'est lourd comme sensation. Moi, j'aime pas cette sensation. Je fais en sorte de m'en éloigner le plus possible. Je fais vivre les bonnes choses plutôt que les mauvaises. Je me dis, allez, on souffle un bon coup et on y va. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que j'ai un sentiment de peur? J'ai cherché, je me suis dit non, c'est pas la peur. La peur de quoi? La peur de mourir? On va tous y passer, donc c'est pas trop ça qui... Non, la peur. Je m'inquiète pour ma famille? Oui, sûrement. Sûrement, oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Pour ma famille, pour mes amis, comment ça va se passer, comment ça se passe pour eux, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont pas bien. Je prends des nouvelles ou je les vois passer un peu sur Facebook et tout, donc je me dis que de ce côté-là, bah, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Alors, qu'est-ce qui me gêne? Ah, il y a du vent, il fait frais aujourd'hui, ouais, par rapport à hier, il y a du soleil, aujourd'hui il y a du vent, c'est pas cool, mais enfin bon, bref, je suis mieux dehors. Donc je m'en étais à qu'est-ce qui me gêne? Et en cherchant bien, ce qui me gêne, c'est d'être privé de liberté. Ouais. C'est un peu comme si on m'avait coupé les ailes et que je ne pouvais plus aller où je voulais, comme je voulais. Et c'est ça qui me gêne, c'est ça qui me dérange au final. C'est un peu, on a une image très assez spéciale. Avec mon mari, on voulait vivre près de la mer. Voilà. Il fallait que la mer soit à côté, le soleil, etc. Bon. Maintenant qu'on vit dans le sud, on va très peu à la mer. Le truc, c'est qu'on sait que, avant le confinement, bien sûr, on sait qu'on peut s'y rendre. À vol d'oiseau, elle est à 10 minutes, quoi. Donc, très près. On peut s'y rendre quand on pouvait s'y rendre quand on voulait. Mais on n'y allait pas. Parce que voilà, on savait qu'elle était là et on n'en avait pas. Ben, là, c'est pareil. Avant, on savait qu'on pouvait sortir, on savait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait et tout, on ne le faisait pas. Aujourd'hui, qu'on n'a plus le droit de le faire, ben, c'est là qu'on voudrait le faire. On est très paradoxal hein, en tant qu'être humain. C'est assez space comme sensation à vivre et à décrire. Avant, on savait que si on voulait aller voir nos enfants, nos amis et tout, bon, personne ne nous en empêchait. On descendait d'un étage, on allait voir en face, on prenait la voiture, on allait voir les enfants, on allait faire un tour en ville, on allait, je sais pas moi, tout et n'importe quoi. On était libre. Et au final, c'est ce manque de liberté qui me dérange le plus. Ce manque de liberté me dérange énormément parce que on est petit à petit en train de nous enlever toute notre liberté. Et sans, bien sûr, je ne dérogerai pas, bien sûr que même malgré ce mal-être, je me mets un peu à l'abri là quand même, malgré ce mal-être, je ne dérogerai pas à ce qu'il en est parce que, bah, faut pas sortir, faut pas sortir, après. On s'occupe à la maison, bon, c'est plus long, c'est sûr, mais on s'occupe à la maison et je pense que c'est quand même quelque part, c'est une bonne chose si on peut éviter à ce que ce soit pire encore pour les gens, parce que même s'il y a des gens qui sont des facteurs, qui sont des gens qui ont la maladie mais qui ne vont pas la déclarer parce qu'ils ont un bon système immunitaire, il y a d'autres personnes qui ont des facteurs plus aggravants et donc qui risquent d'avoir un souci. Donc, moi, je voudrais dire merci à Manu. Non, pas le président. Non.
Je voudrais dire merci à Manu. Parce que la première chose, alors déjà je voudrais lui dire que quelque chose qu'on ne lui a peut-être pas appris, mais qu'il devrait savoir, hein, parce qu'en tant que vu l'homme, il devrait le savoir, c'est que quand on lance un boomerang, il revient systématiquement à celui qui l'a envoyé. Donc, le boomerang qu'il a envoyé là, c'est-à-dire faire tout et n'importe quoi, rendre les gens malades, ne pas prendre des précautions qui s'imposent, bref, ça va lui revenir sur la gueule, en pleine gueule, ça va lui revenir. Ah ouais, ça, je n'ai aucun doute là-dessus, ça va lui revenir en pleine gueule. Donc ça, c'était pour info, hein, il en fait ce qu'il veut, de toute façon, il est plus grand que tout le monde, il sait tout mieux que tout le monde, donc ce que je peux dire, c'est pas intéressant. Toujours est-il que voilà, ben, je suis sûre, il va se le prendre dans la gueule et tous ses acolytes aussi. Hein, il n'y a aucun doute là-dessus, ils vont se reprendre sur leur boomerang dans la gueule. Ah, ça, c'est clair. Après, je voudrais le remercier. Ah ouais, je voudrais le remercier parce que c'est. Alors là aussi, c'est paradoxal parce que d'un coup, je lui dis il va se prendre son boomerang dans la gueule et après, je dis je voudrais le remercier. Ben ouais. Parce que le fait d'être en confinement comme ça, et eh ben, ça nous pousse à aller voir, ça nous pousse à nous débarrasser de tout ce qui nous dérange au final, que ce soit spirituel ou que ce soit matériel. Bah oui, bah du coup on est occupé, on sait pas quoi faire, donc qu'est-ce qu'on fait? Bah on fait le ménage, on nettoie, on range, on se débarrasse de ce qui est pas utile. C'est ce que j'ai fait ce matin, se débarrasser de ce qui est pas utile, des choses qu'on se disait oh ouais je ferai ça une autre fois. J'ai le temps. Bah, eh ben là, pour le coup, j'ai le temps. Bah, ouais. Je l'ai fait. Puis petit à petit, comme ça, faire une pièce par jour. Hein, vu le temps qu'il nous reste dans le confinement, je pense qu'une pièce par jour, c'est relativement bien. Voilà. Et puis ça me permet aussi d'écouter ce que je ressens et d'aller travailler au fond et d'aller voir au fond ce qu'il y a. Comme là, vous voyez, bah, ce qui me dérange, moi, c'est le manque de liberté. Voilà, on m'a coupé les ailes. Alors que je peux être libre, de toute façon. Je peux être libre, je suis libre. Je suis libre d'être qui je suis libre de faire ce que je veux, je suis libre. On ne m'enlèvera pas cette liberté, jamais. Mais c'est d'écouter tout ce qui se passe en ce moment et c'est d'entendre. Et si même, malgré tout, on veut s'éloigner de tout ça, eh ben, il arrive à un moment où, flop, vous êtes pris dedans. Voilà. Alors, comme je vous dis, c'est la peur, ça me, je suis pas peur, franchement. Ouais. Moi, je suis, j'ai un rhume qui traîne 365 jours par an, ça fait des années que, voilà, de temps en temps, il me laisse un peu de répit, et puis après, il reprend. Donc, que vous dire? Non, c'est pas la peur qui me dérange. Voilà, c'est ce manque de liberté. Ce manque de liberté me dérange énormément. Je suis un être comme beaucoup d'entre vous. Je vais en faire rire certains, mais d'autres me prendront au sérieux. Je suis seul un être libre souverain. Et en tant qu'être libre souverain, ben, j'ai la liberté de. On m'a pas demandé, on m'a pas dit est-ce que tu veux, est-ce que tu es d'accord avec, est-ce que tu veux bien, est-ce que tu acceptes. On m'a rien dit du tout. On m'a pas posé de questions. On m'a imposé. Et c'est ça que que j'ai du mal. Hein. Quand on m'impose, j'aime pas. J'ai toujours eu un problème avec les lois, avec les ordres. Et quand on m'impose, j'aime pas. Donc c'est ça qui me pose un problème. Et puis je me dis aussi que d'un autre côté, en tant que fille du divin, j'ai toute la liberté que je veux. C'est juste le matériel dans mon corps physique que je suis prisonnière. Pas dans mon esprit, pas dans ma tête, pas dans mon cœur. Je ne suis pas prisonnière dans ma tête et dans mon cœur, non. Je continue à envoyer de l'amour, je continue à envoyer des bonnes énergies. Donc, je suis prisonnière de mon corps physique terrestre. Ah, je ne veux pas le quitter pour autant, hein. Non. Mais non, mais non, j'aime bien, hein. J'aime bien ce corps. Hein. Il est bien, et puis j'aime bien aussi la planète Terre. Ah, bah, j'aime bien. Ah, ouais, Gaïa, j'adore. Elle est magnifique, elle est. Puis de plus en plus, hein, parce qu'avec du coup, avec le confinement, bah, elle se régénère. Ah, ouais, elle se régénère. C'est beau.
Là, aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup les oiseaux. Ah, il fait froid, il y a du vent, ils sont comme nous, hein. Ils se mettent à l'écart, hein, les oiseaux, mais ils sont là. Le matin, je les entends, le soir, j'entends leurs petites discussions, c'est marrant, je les entends discuter et tout, comme la discussion qu'on avait avant, les adultes qui avaient avant, avant qu'il y ait la télé, avant qu'il y ait tout ça. Ils se réunissaient, puis ils discutaient, ils blablataient jusqu'à des minuit, 1 h du matin. Et puis, bon, puis le lendemain, ils allaient bosser tranquille, mais le soir, ils étaient bien amusés. Puis ça recommençait comme ça tous les soirs. Hein. Aujourd'hui, nous, bah, qu'est-ce qu'on fait? On rentre du soir, on rentre le soir. On est fatigué, puis on regarde la télé, on s'abrutit avec les informations qui sont là les 3/4 du temps fausses. Et puis bah, on va se coucher avec le sentiment d'avoir perdu du temps parce que on n'a pas fait ce qu'on voulait, on n'avait pas fait ce qu'on a envie de faire. Et puis le lendemain, ben, on est obligé de retourner dans une routine qui nous pourrit la vie de plus en plus. Ben, moi, je me dis que c'est un cadeau. Quand beaucoup, j'ai vu passer beaucoup de vidéos et je suis tout à fait d'accord, c'est un cadeau. Ben ouais, un cadeau. Et je préfère prendre ça comme un cadeau plutôt que de voir ça comme une horreur, quelque chose d'horrible. Oui, bien sûr que c'est pas marrant pour les gens qui ont perdu de la famille. Mais là aussi, il y a fausse donne. Il y a fausse donne. Parce que malheureusement, les gens qui sont partis et ceux qui partiront, oh, ah, j'en ferai peut-être partie, hein, on va les savoir, j'en sais rien. Hein. C'est des gens qui avaient déjà une maladie. Ou très rarement des gens qui n'avaient rien, mais qui l'ont déclaré quand même parce que leur système immunitaire n'était pas assez costaud pour se battre contre ce virus. Donc excusez-moi. Choisissez bien les vidéos que vous regardez. Il y en a qui sont très bien pour vous dire comment booster votre système immunitaire. Et ça peut franchement aider. Et puis, ne regardez n'importe quoi parce qu'il y a tout et son contraire. Donc, regardez juste ce qui vous semble clair, ce qui vous semble bien pour vous et ne regardez pas n'importe quoi. Il y a tout et son contraire. Il y en a un qui va dire un truc et l'autre qui va dire le contraire en le démentant. Là, il y a une grosse polémique avec le professeur Raoul à Marseille. Vous voyez, comme je vous disais, avec le professeur Raoul à Marseille, parce que le traitement qui dit marcher, ben ouais, ça fait des années qu'il marche, hein. Ouais, ça fait des années qu'il fonctionne, hein. Ça fait des années qu'il sauve des vies. Ben ouais, mais là, avec le virus, ben on sait pas. Sauf que lui, il a été contre tous les ordres qu'il a reçus et ses patients, avec l'accord de la famille, bien entendu, ses patients, il les a soignés avec ce traitement. Et ça marche. Alors que les labos, ils sont en train de dire, attendez, 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 il n'y a pas encore assez de recul, on ne le connaît pas assez depuis assez longtemps, et il va falloir qu'on fasse des tests, pas avant 2 semaines au moins. Mais ce traitement, il était en vente parce qu'il fonctionnait, parce que les tests ont déjà été faits, et qu'ils ont vu qu'ils avaient fonctionné. Alors, si ce traitement ne fonctionne pas aussi bien qu'on veut nous le faire croire, pourquoi l'a-t-on retiré des pharmacies? Pourquoi empêche-t-on les gens de se soigner avec ce traitement? Ça libérerait des hôpitaux. Quand ils ont les premiers symptômes, paf, ils se soigneraient avec leur traitement. Ça libérerait les hôpitaux, ça libérerait tout. Ça faciliterait la vie au quotidien. Non, on les retire des pharmacies. Ah ouais, il était pas si cher hein, en fait. Ouais, non, aux alentours de 3 euros la boîte. Ouais, ça rapportait pas grand-chose au lobby des pharmacies. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Là, ça rapporte davantage. Et puis, comme le but final, c'est de nous voir tous crever, de toute façon, comme ça, il faut d'une pierre deux coups. Et puis voilà. Sauf qu'on va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. On va profiter de ce cadeau que nous offre la vie au final. Parce qu'il n'y a pas de hasard hein, dans la vie. Tout ce qui se passe a été prévu à l'avance. Que ce soit en bon ou en mauvais, ça a été prévu à l'avance.
Donc, il n'y a pas à dire j'ai pas de chance ou j'ai de la chance. Il n'y a pas à dire c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. Parce que regardez bien que le mauvais côté de ce virus, en fait, c'est qu'on est confiné, on tombe malade, au mieux, on n'a rien du tout, ça passe inaperçu. Au pire, on a les symptômes de la grippe et on est obligé de prendre des médicaments contre le mal de tête et la fièvre. Et encore au pire, eh ben, on se trouve hospitalisé dans des services spéciaux qui sont débordés parce que le ministre de la Santé avait fermé tous les hôpitaux, tous les lits, toutes les chambres, etc. Donc alors si ça, hein, ça si c'est pas de la magouille, dites-moi ce que c'est. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je l'ai déjà fait dans des précédentes vidéos, donc je ne veux pas rentrer là-dedans. Toujours est-il, que ce médicament n'était pas efficace, pourquoi l'enlève-t-on des pharmacies? Vous croyez que c'est parce qu'ils ont peur que les gens se jettent dessus et qu'ils deviennent encore plus malades? Ou parce qu'au contraire, ils ont peur que les gens se jettent dessus et qu'ils se soignent de par eux-mêmes? Ce qui serait drôlement embêtant pour les lobbies pharmaceutiques, ouais. Enfin, le bon côté, c'est que tout est en train de se casser la gueule. On n'a vraiment pas de quoi avoir peur, de quoi avoir se faire du souci. Tout est globalement en train de se casser la gueule. Et moi, je suis plutôt. Alors, j'ai deux sentiments. Donc, celui qu'on m'a coupé ma liberté. Mais à côté de ça, j'ai un sentiment très positif où je suis très contente de vivre cette époque. Parce que j'ai choisi de la vivre au final, cette époque. Hein. On ne m'a pas mis le couteau sous la gorge. Hein. C'est moi qui ai signé hein, avant mon incarnation. J'ai signé pour dire oui, effectivement, je veux vivre à ce moment-là. Donc, je vis aujourd'hui ce moment de confinement, ce moment difficile parmi vous. Je vis ce moment qui est en fait la base d'un changement. On voit déjà, vous voyez, c'est un peu comme un fumeur qui arrête de fumer. Un fumeur qui arrête de fumer, au bout d'une semaine déjà, on commence à voir les bonnes choses qui reviennent, le goût, la saveur, les odeurs et tout le reste. La terre, c'est pareil. Ça fait une semaine que tout a commencé à s'arrêter et déjà, bah, ça recommence. La vie reprend de plus belle. C'est pas beau, ça? C'est pas un cadeau, ça? C'est pas la meilleure des choses? Venise, tout était encombré, les eaux commencent à devenir limpides, enfin plus claires toujours. La nature reprend ses droits, c'est pas beau ça. Et plus le confinement va durer, et plus ça va aller. Personnellement, j'espère qu'il va durer jusqu'à la chute totale du système. Ça serait mon cadeau pour moi et pour toute la Terre et tout l'univers et tout être vivant, ici ou ailleurs. Voilà. Que tout se casse la gueule, que tout soit mieux réparti, que l'on puisse vivre dans un monde qui est fait pour nous, qui sommes devenus des esclaves, mais qui ne le sommes pas en réalité. Nous le sommes devenus, mais à la base, nous ne le sommes pas. Bah ouais, voilà. Donc j'avais envie de vous partager ce moment parce que je pense que je ne dois pas être la seule à vivre ces choses-là. Et j'ai trouvé ça important de vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'on est tous dans la même situation, certains dans des situations pires que d'autres. Et je pense qu'on vit ce qu'on a signé pour vivre, que l'on soit conscient ou pas. Et qu'au final, ce confinement est vraiment un cadeau pour qu'enfin on puisse se retrouver tel qu'on est, qu'on puisse apprendre qui on est et ce dont on a vraiment besoin. Et ce dont on a vraiment besoin, c'est pas de toutes ces horreurs qui nous mettent, c'est pas de ce système qui nous oblige, qui c'est pas liberté, égalité, fraternité qu'on devrait mettre dans les bâtiments publics. Non. C'est pas liberté, fraternité. Mais bon,
je ne suis pas là pour épiloguer là-dessus non plus, juste pour vous faire partager ce moment. Voilà, j'espère que vous vous sentirez, que dire, ma pierre à l'édifice. J'espère que vous vous sentirez moins seul parce que du coup, je vous ai fait partager mon point de vue. Je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir. Et ça serait bien que on remercie. On remercie. Ce qu'on a de mieux à faire, c'est remercier. Remercier pour ce beau cadeau que la vie nous fait. Remercier pour tout ce qu'on a aujourd'hui et maintenant. Remercier pour cette belle nature. Remercier pour... Ah, le soleil, il est derrière les nuages là-bas. Il veut percer, mais oui, il a du mal, hein, ils sont épais les nuages. Ouais. Et ouais, on arrive dans les giboulées de mars. Hein, ouais, c'est le printemps, hein, mais j'ai même pas fait gaffe quand on est passé au printemps. Je suis tellement perdu dans mes trucs. Ah ouais, c'est le printemps aujourd'hui, tiens, bizarre. Mais c'est pas aujourd'hui, hein, c'était 2 jours. Ouais. Ah ouais. Moi, j'ai les lignes temporelles qui sont pas coordonnées avec ce qui se passe. Donc, elles sont très space, mes lignes temporelles en ce moment. La seule chose qui n'est pas space et que pour lequel je suis fort accrochée, c'est ce que je veux voir. C'est ce que je veux voir de ce nouveau monde. Voilà. Et je m'accroche à l'idée d'un monde meilleur, d'un monde où tout serait mieux partagé, où tout le monde pourrait avoir à manger, à boire, et sans qu'il y ait autant d'horreur, sans qu'il y ait des enfants qui disparaissent, sans qu'il y ait autant de violence, sans qu'il y ait de guerre, sans qu'il y ait... Moi, c'est ça le monde que je veux. C'est un monde de paix, d'amour, où on arriverait en fait, c'est pas qu'il n'y aurait pas de dualité, parce que tant qu'on est sur Terre, il y a de la dualité, homme, femme, nuit, jour. Ça me fait penser aux visiteurs, nuit, jour, nuit, jour. Pour ceux qui l'ont vu, ils sauront ce que c'est. C'est pareil. Donc la dualité, donc tant qu'on sera dans la dualité sur cette Terre, c'est sûr qu'il y aura. Mais en fait, que ce soit... une dualité plus équitable, on va dire, hein? Qu'elle soit au même niveau. Et pas qu'il y en ait une qui prend, que le mauvais côté prenne des hauteurs et que on nous laisse encore en bas. Non. Moi, je suis pour un monde équitable, pour que tout le monde ait la même chose. En bien, bien sûr, hein. Quand je dis la même chose, c'est que tout le monde est un toit, tout le monde est à manger, tout le monde est ce qu'il faut pour vivre décemment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais on y vient. Alors pour en finir avec Manu, Manu, merci. Merci pour ce cadeau. Même si toi, le revers de la médaille, il va être un petit peu plus... Il va être moins cool, hein. Ça, je te le dis tout de suite, le revers de la médaille sera moins cool. Hein. T'inquiète pas, ton heure viendra. Hein. Tu sais que c'est ce qu'on dit. Hein. Ton heure viendra. Et tout comme tout le monde, ton heure viendra. J'en sais quelque chose. Hein. J'en ai fait l'expérience, donc je peux te le dire. Hein. Ton heure viendra. Peu importe quand, peu importe à quel moment, elle viendra. Et là, on n'ira pas danser. On n'ira pas danser sur ta tombe, on n'ira pas danser sur tes malheurs, on n'ira pas rire, on n'ira pas se moquer de toi. Mais on te regardera avec très humblement, avec plein d'amour. Et on te dira que grâce à toi, grâce à toi et à tous tes acolytes qui en ce moment nous en font voir de toutes les couleurs, mais quand toi, à ton tour, tu seras au fond du trou, on ne te tendra pas la main pour t'en sortir, ben non, ce serait dommage. Mais... Par contre, ce qu'on fera, c'est que on priera pour que tu puisses enfin voir la lumière et. Tu as très bien joué ton rôle sur Terre. Si tu as demandé à vivre ça comme incarnation, chapeau, tu l'as très bien vécu. Alors,
Ben, le jour où le boomerang te retombera sur la figure, on te dira juste, voilà, on t'avait prévenu. Tu n'as pas voulu nous écouter. Tant pis pour toi. Maintenant, c'est à ton tour. Voilà. Ah, puis je voulais te dire aussi, on n'est pas en guerre. Hein. Non. Le toi, dans ton discours, tu nous as dit 6 fois. Hein. Si ça, c'est pas un message, qu'est-ce que c'est? 6 fois, tu nous as dit qu'on était en guerre. Contre un ennemi invisible, certes, mais on était en guerre. Mais non, on n'est pas en guerre. On est en paix. Et ça, de plus en plus. On est en paix. Hein? Les oiseaux sont là, t'as pas vu? Ah ouais, non, j'ai pas montré, j'ai pas vu. Les oiseaux, ils sont là. La nature, elle n'est pas au courant qu'on est en guerre, donc elle vit. C'est ça qui est merveilleux avec la nature, c'est qu'elle n'est pas au courant. Personne ne l'a informée. On lui a pas dit qu'il y avait une grosse... qu'il y avait un gros bazar en ce moment. Un truc cataclysmique. Elle s'en fout. Elle continue sa vie. Tiens, regarde. Par contre, pas de blague. Hein. Regarde. T'as vu? Elle continue. Elle est contente. Elle continue. La vie continue. Ah, ça y est. Tu les entends, les oiseaux? Ils te font un petit coucou. Ils te disent merci. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci. Merci pour le cadeau. Merci. La terre, en tout cas, t'en remercie. Voilà. Alors, peut-être pas tes copains, ils vont pas te remercier longtemps. Parce que là, il y en a qui vont pas être contents du tout, du tout, du tout, du tout. Ça, je peux te le dire. Il y en a, ils vont pas être contents. Mais nous, ça va. Nous, ça va. On prie pour tous ceux qui sont dans la misère, tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui vivent au moment des périodes encore plus difficiles que les nôtres, parce qu'on vit tous des périodes difficiles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais au final, ça va. Je voudrais pas être à ta place, Manu. Non, je voudrais pas être à ta place. En tout cas, je te souhaite... force et courage à toi. Hein. Et j'envoie plein d'amour. Plein d'amour et plein d'énergie positive au monde entier, à la terre entière, à l'univers et à tous ceux que toi, tes amis et tout le reste de la clique là-haut, financière, quelle que soit, luciférienne et peu importe. J'envoie beaucoup d'amour à tous ceux qui, aujourd'hui, en ont besoin. Voilà. J'envoie beaucoup d'amour et... sérieusement, je suis dans la paix. Je vis et j'ai ce que j'ai toujours voulu. Donc, quoi te demander de plus? Voilà. Bon. Eh ben... d'ici une nouvelle vidéo, ben, je vous souhaite à tous de faire attention à vous. Portez-vous bien. Restez confinés et surtout, profitez-en pour travailler sur vous, sur nous, sur chacun et ce dont vous avez vraiment besoin. Allez, à ciao, bye.